Seul gagne ce duel pour Tabitha Chawenga dans la surface de réparation. Chawenga 4-2 pour Chawenga. Ça fait 2-0 et un but de plus pour la petite bombe Malawite. Elle va gagner ce duel, elle va se forcer, elle va résister à la charge derrière ce ballon. Une petite touche pour se remettre correctement sur le pied gauche. La frappe, la force, la vitesse. Là, c'est intéressant parce qu'elle est au duel avec Hélène Faircock. Et derrière, le petit coup d'œil passe pied gauche. Chawenga va finir le coup d'œil pour savoir où est Alice Pinguet. Pour finir, l'application de la passe décisive de Malantouette Katoto. Là, elle jouera sur un poste qui est quasiment le sien en sélection. Attention, ce ballon qui a déjà vu Tabitha Chawenga, elle va aller au bout. Tabitha Chawenga pour le doublé. C'est fait, ça fait 3-0. Incroyable Chawenga qui a tout lu, un coup de rein dévastateur. Et derrière le sourire pour un doublé. C'est l'une des ambianceuses du Paris Saint-Germain. Elle est aimée partout. Là, elle se l'est créée toute seule. Alors, cette passe catastrophique, plein axe. Et là, la première touche n'est pas terrible, mais en puissance. Un petit coup d'œil pour voir. Alice Pinguet hein, qui choisit de sortir très haut. On voit que Faircock va être prise de vitesse. Là, elle ne peut absolument pas mettre les mains. Là, je pense qu'elle sort beaucoup trop loin, Alice Pinguet, parce qu'elle... L'ancien partenaire du Paris Saint-Germain, Sandy Baltimore au corner. C'est parti, le coup de tête d'avant-garde. Chawenga, c'est Chawenguesque. Allez, on voit ça. Qui a arrêté pied gauche, Vansgaard qui est là, qui va pas toucher le ballon. Et derrière, elle va le mettre. Vraiment, il n'y avait pas beaucoup de place, hein, parce que les Dijonnaises avaient bien.